j'aurais pu travailler le bois, la pierre, mais bon, les aléas de la vie ont fait que je suis tombée sur le verre, le vitrail. Et moi qui adore la couleur, je me suis trouvée dans le vitrail et c'est juste un plaisir en fait. Je suis née à Lesneuvin. J'ai habité à Plougnur-13 jusqu'au collège. J'ai mes souvenirs d'enfance, de liberté, où à Plougnur, on allait tout seul à vélo jusqu'à la plage du Crémiou. On passait des journées à la plage, profiter de la nature, de la simplicité et juste être bien et être heureux. Après mon bac de chimie, je me suis dit, je veux faire de l'art. Donc j'ai passé le concours des Beaux-Arts de Nantes et c'est là où j'ai commencé à découvrir différentes techniques et à rencontrer les personnes qui m'ont formée après à la technique traditionnelle du vitrail. Je travaille beaucoup à la restauration du patrimoine et à la création de vitraux dans les chapelles. Et ça me permet de redécouvrir différemment les lieux que je visitais quand j'étais petite. Pour moi, la couleur, c'est spontané, un peu comme le climat sur la Côte des Légendes. On peut avoir un ciel très bleu et d'un coup un ciel gris ou noir. Et c'est tellement beau, ces nuances de bleu, que je pense que ça a comme dû avoir une influence sur mon travail de recherche de la couleur, des matières, du mouvement. Dans ma formation de vitrail en poche, et ben, je suis revenue. Parce qu'en fait, il y a toujours un truc qui vous attire, enfin, qui vous accroche pour retrouver la mer, les rochers. On aime autant aller à la plage quand il y a les tempêtes pour voir la mer se déchaîner que ben, l'été pour jouer dans le sable. C'est, la mer, elle est là au quotidien. Donc, enfin, on vit avec nos dunes, notre sable, nos rochers. Le bien-être de vivre ici, t'as cette liberté, c'est juste simple et je pense que ça crée des bons souvenirs pour toute la famille, pour tout le monde, d'être dans la simplicité en fait. Je suis revenue chez moi en fait. Sur la Côte des Légendes.